Bonjour messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour faire le pré-réglage et la mise en service d'un brûleur fuel. Donc nous avons la chaudière numéro 1 ici et la chaudière numéro 2. Nous allons nous occuper de la chaudière numéro 2, à savoir qu'elles sont toutes les deux montées en cascade. Donc je vais automatiquement voir si la chaudière 1 sur le régulateur est mise en arrêt. Donc oui, tout est arrêté. Donc je vais rebasculer sur la chaudière 2 où je peux voir que les sorties sont en fonctionnement. Donc pour ce faire, je vais avoir l'analyseur de combustion dont je me servirai à la fin et du brûleur. Alors le brûleur, c'est un modèle M100S de Dietrich monté sur une chaudière de Dietrich GT225. Vous pouvez retrouver la dot technique sur le QR code ci-joint et l'ensemble des données sur les QR codes. Donc on a aussi la documentation technique de la double allure qui est montée en cascade avec le guide SAV de Dietrich. Le gicleur qui est monté sur ce brûleur, c'est un gicleur donc pour avoir une puissance de 55 kW. Il fait 1,25 US gallon heure avec un angle de 60 degrés type H. Alors je sais qu'il est monté dessus. Si par rapport à la puissance, il convient de changer, si j'avais eu un 40 kW que je voulais un 55, il fallait changer le débit en US gallon du gicleur, donc changer de gicleur. Pour ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on change et comment on règle le gicleur avec le déflecteur. Voilà. Donc du coup, on va avoir plusieurs mesures à vérifier, à savoir 10,2 bar de pression fuel. C'est une mesure qui se prendra donc brûleur en fonctionnement, donc allumé. Ensuite, on aura un réglage du volet d'air de 135. Donc ce réglage, il sera ici. Il faudra faire coïncider cette flèche au 135. La pression fuel, le réglage se fera sur la pompe ici pour avoir la pression voulue. Et ensuite, la cote Y se fera ici. Pour ce faire, il me faudra une cote Y d'environ, enfin pas d'environ, mais de 9 mm. Donc on va effectuer le pré-réglage donc du volet d'air. Pour ce faire, on prend la clé Allen qui se trouve derrière. Vous avez une vis ici qu'il faut légèrement dévisser pour débloquer le volet d'air. On va régler à 135. On va revisser le volet d'air. Voilà. Maintenant, on va passer à la cote Y. On avait vu qu'il fallait 9. Donc là, on va aller régler à 9. Et après, on va passer au réglage de la pression fuel. Donc là, 9, ça doit être ici, c'est des pas de 2. Donc je dois être au milieu, voilà, 9. On va passer au réglage de la pression fuel. Donc au préalable, avant de faire la mesure de combustion pour affiner le réglage, on va déjà faire en sorte d'avoir une pression de 10,2 bar moteur. Comme vous pouvez l'entendre, donc je viens ici diminuer la pression afin de coller le plus possible au 10,2 bar. Voilà, et je vais passer à l'analyse de combustion après un certain temps de fonctionnement afin d'avoir un régime dit stabilisé. Donc là, on se retrouve pour le test du baccarat et ensuite l'analyse de combustion. Donc on se retrouve pour le test du baccarat, c'est ni plus ni moins qu'une feuille de papier coincée juste avant le piston qu'on vient introduire dans les fumées et je vais maintenant faire ce geste 10 fois
afin de récupérer un maximum de gaz pour voir le noircissement de celui-ci. Donc voici le résultat. Donc on se retrouve avec un échantillon compris entre 2 et 3, légèrement trop élevé, mais on est vraiment à la limite supérieure où on peut mettre donc la canne de l'analyseur de combustion dans le conduit. Pour ce faire, je vais mettre donc un adaptateur qui va me permettre de mettre relativement facilement donc la canne. Pour ce faire, maintenant, je vais étalonner l'analyseur de combustion. Il va me proposer donc, normalement la combustion. Je vais étalonner. On se retrouve donc, dans 20 secondes pour la suite. Donc là, l'analyseur de combustion, visiblement, va tout simplement nous dire que je change la sonde oxygène de l'analyseur de combustion. C'est normal. Alors c'est pas parce qu'on l'utilise pas qu'elle se désagrège pas. La sonde oxygène se désagrège naturellement, même à l'arrêt, lorsque l'analyseur ne fonctionne pas. Donc on va prendre un autre analyseur. C'est pas un problème. Donc là on se retrouve avec l'étalonnage donc fini. On va donc appuyer sur départ. On a bien 17,8 degrés au niveau ambiant, donc ça mesure la température des fumées avec la canne, mais bon, vu qu'on doit l'étalonner à l'air libre, on a à peu près 18 degrés, donc c'est ça, et bien 21% d'oxygène. Donc je vais appuyer sur mesure. On va procéder comme suit. Donc je vais mettre la canne jusqu'à la moitié de mon conduit et je vais mettre mon doigt à l'aplomb de ma bouteille de l'adaptateur qui va limiter l'insertion. De ce fait, je vais le mettre à l'intérieur et on va donc regarder les résultats. Mais ce qui nous intéresse, c'est la proportion de CO. Donc 200 particules par million en CO, c'est vraiment beaucoup trop. Il va falloir affiner cette valeur de façon très urgente. C'est par le réglage de la tête de combustion et en modifiant le ratio air primaire air secondaire que j'obtiens une baisse significative de la teneur de CO. Pour ce faire, ce réglage se fait en dernier lieu sur les analyses de combustion, sur les réglages. Et on peut s'apercevoir que j'obtiens 57 ppm, ce qui est tout à fait honorable pour un brûleur fuel. Je dois être inférieur à 100 ppm.